Et moi, depuis que je suis tout petit, j'étais enfant de cœur. Et plus tard, je suis devenu confrère. Et maintenant, je suis ravi que des jeunes arrivent et continuent et veulent rentrer dans la tradition. Justement, les plus jeunes, ils viennent vous voir, ils vous demandent un petit peu conseil, comment ça se passe? Oui, ils viennent demander conseil. Bon, au début, ils sont intrigués, puis ils ont l'envie de venir, de porter et de représenter la confrérie de Saint-Spyridion à Cargèse et dans d'autres églises quand on est invité. Alors, vu votre nom de famille, Anzaneta, vous êtes descendant de Grec, avec vos grands-parents, tout ça, quand vous étiez enfant, vous en parliez beaucoup? Oui, on en parlait quand même, mais c'était plus, on ne parlait pas des origines, plus des traditions liées à l'Église, pas de la venue depuis la Grèce, que ça remonte. Ça a été difficile pour eux et pour les gens de transmettre justement ces traditions, ou elles ont perduré avec le temps sans aucun souci? Non, ça a bien perduré, ça n'a pas été trop difficile, parce que les gens sont rattachés à l'Église, soit la latine ou la grecque, et puis au bout d'un moment, tout est mélangé, quoi, hein. Tous les sens sont mélangés et tout le monde va bien volontiers à l'église latine et à l'église grecque.